minutes. Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre ce matin. Zoulou, peut-être. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce Zoulou. Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Antichlec est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lanzatron est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bah pour une émission qui risque d'être assez dense, le temps que je vous mette le bon écran à l'image, parce qu'on a eu Milan-San Remo, il y a eu 2-3 autres courses, hein, comme la Classique Loire-Atlantique et le Tour de Normandie. Donc avec Seb, on va prendre le temps de débriefer tout ça. Salut Seb. Alors, salut à Chef Wiggum, salut à Yann, merci Yann pour l'abonnement avec Prime, salut à Grégory qui est sur le chat, qui ne peut pas être avec nous ce soir parce que malheureusement il était au boulot, donc il est rentré après l'arrivée de la course. Salut à Malavita et salut à Son Misty. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'hab, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions et on y répondra avec Seb, bien entendu, avec le plus grand plaisir. Bref, je remets le son de Seb parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas activé. Seb, déjà, si on peut planter le décor, une grosse échappée, mais qui n'a jamais finalement pu prendre énormément de champs. Non. Et c'est vrai que... C'est bien parce que de dire ça, parce que d'habitude, alors ils ont tenu quand même, hein. Ils se sont fait rattraper quand même assez tard, parce que vu le temps d'avance qui était très faible, on aurait pu penser qu'ils seraient rattrapés plus tôt. Et d'habitude, les échappés, on les reprend au pied de la Cipressa. Là, c'était un peu plus tard, il en restait encore. Par contre, d'habitude, on laisse beaucoup plus de temps, des fois des 5-6 minutes, voire davantage certaines éditions. Et là, ce n'était pas le cas du tout. On a vu rapidement, comme l'année dernière, il y a Utilier qui a été mis à la planche. Il y a eu également Mosca pour Lidl Trek. Donc, on a contrôlé, mais vraiment, vraiment très, très, très tôt. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais bon, c'est ainsi. Oui, puis une édition très rapide. Alors, il faudra attendre le chiffre officiel, mais j'ai l'impression, d'après ce qui se disait à l'antenne, Seb, et je ne sais pas si tu as vu la donnée, qu'on a battu le record de Gianni Bugno en termes de vitesse moyenne. Alors, Gianni Bugno, c'était en 90, si ma mémoire est bonne. Et là, cette année, je n'ai plus la moyenne de Gianni Bugno. Par contre, j'ai vu que c'était 46,1. Enfin, ça va être affiné, mais c'est ce que j'ai vu. Donc, oui, c'était très rapide, évidemment. On s'en doutait. Ça allait être très rapide. Mais je ne me rappelais pas que tu vois que c'était l'année 90 qui était du coup l'édition la plus rapide précédemment. Non, moi non plus. S'il ne l'avait pas dit à l'antenne, sincèrement, je n'aurais pas su. Ouais. Et c'est une année un peu particulière avec Bugno parce qu'il avait attaqué de loin en plus, je crois, de souvenirs. Mais c'est vraiment mes souvenirs d'il y a très longtemps. C'était au tout début où je commençais un peu à regarder le vélo, mais il était à Château d'Axe à cette époque-là. Donc voilà un peu pour faire un peu du passé, mais oui, ça a bien roulé, ça n'a pas débranché, et preuve en est, puisque les échappés étaient gardés, comme on dit, à portée de fusil. Ouais, c'est vrai que ils n'ont jamais pris le champ. Salut à Jérôme, tiens, qui nous rejoint sur le chat, salut à Randiché, Dyson, Greg nous confirme donc 45-8 pour Bugno. Puis si vous avez le temps officiel donné par l'organisation, n'hésitez pas à nous le donner, bien entendu, sur le live. On va venir, Seb, au moment clé. On en parlait tous les deux juste avant l'émission, quand on se préparait un petit peu. On l'avait dit aussi pour ceux qui ont suivi le live ces derniers jours, je l'avais évoqué. La UAE, pour que Pogacar ait une chance de gagner, fallait qu'il soit tactiquement parfait. Et clairement, si on commence par la Cipressa, on ne peut pas dire que ça a été le cas. Déjà, si on parle de l'approche, où on a vu qu'ils étaient très, très mal placés. Pour la Cipressa, oui. Et pour moi, c'est ce que je te disais. Alors, j'ai pas pu tout regarder. Et puis, je l'ai revu juste avant, là, pour pas dire n'importe quoi, quand même, parce que j'étais pas totalement disponible cet après-midi, malheureusement non plus. Mais ça a l'avantage de revoir un peu les moments clés, comme ça, après coup. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en effet, pour la Cipressa, ils étaient vraiment très mal placés. Ils remontent, mais il y a déjà eu 1 km de montée.
Donc, ils ont perdu 1 km. J'ai entendu l'interview de Mathieu Van Der Poel qui le dit d'ailleurs, que ça a roulé, mais que en fait, ils étaient mal organisés au niveau de l'UAE et ils étaient mal placés au pied. Et donc, comme je l'ai expliqué, ils ont perdu 1 km. Et après, par contre, ils se sont rattrapés. Ouais, Mais on puis des sait que forces la faibles Sprint aussi, parce Star. qu'on voyait à l'image Del Toro. Alors Del Toro, il est très fort, c'est pas le problème. Mais on voit Ouais. qu'avec Willens dans sa roue ou à proximité, je me rappelle plus exactement, déjà tu fais un énorme effort pour retrouver ta place à l'avant. Et c'est des forces qui, logiquement, t'ont manqué dans le final de la Cipressa. On voyait que le pauvre Del Toro, il était logiquement complètement cramé. Et puis le problème de la Cipressa, j'allais dire ça, c'est que, si je me souviens bien, c'est beaucoup plus difficile au pied et il y a une petite redescente à un moment donné qui est très courte, certes, et puis après ça remonte, mais le sommet est plus facile que le pied. Donc c'est pas là que tu vas pouvoir créer des écarts. Et puis le problème, c'est que ils ont quand même été vite avec Del Toro et puis même Valence, parce que le problème, c'est que Valence, c'est ce qu'on disait aussi l'année dernière, évidemment, c'est lui qui déclenche au niveau du Poggio et ça va être pareil cette année, mais il a déjà pris le manche, entre guillemets, à 1 km du sommet ou à 500 mètres du sommet de la Cipressa. Et même si ça ne dure pas très longtemps, il est déjà en tête, il fait déjà un effort et donc il laisse un petit peu de jus par rapport à ce qu'il va remettre par la suite dans le cadre du Poggio. Et puis, ils étaient en manque de main-d'œuvre et donc forcément ça a temporisé dans la descente comme souvent entre la Cipressa et le Poggio. Et le peloton qui était pourtant qu'à une trentaine ou 35 coureurs au sommet, il s'est un peu ragrandi dans la descente et au pied de le Poggio, il était bien plus conséquent. Le peloton, par contre, il manquait de la main-d'œuvre pour UAE, clairement. Il restait plus que Wellens et qui, comme je l'expliquais, avait déjà fait quelques relais en tête au sommet de la Cipressa. Donc tout ça, c'est ces éléments-là qui expliquent aussi la défaite malgré tout de Pogacar qui a fait sa course, hein, et on va en parler comment ça s'est passé au Poggio aussi, parce qu'il a fait quelques erreurs aussi au niveau du Poggio. Mais il aurait dû être beaucoup plus secondé. Je n'ai pas tout regardé la course malheureusement, mais d'habitude on voit plus des houlissiers. J'ai pas l'impression qu'on l'ait vu beaucoup. Marc Hirschi aussi, on On nous a, en on... parle sur le chat, c'est vrai qu'on n'a pas vu du Ouais. tout Marc Hirschi, je sais pas s'il a eu un souci ou quoi, mais en tout cas on ne l'a pas vu. Non, non, pour moi, il n'a pas eu de soucis. Avant d'arriver à la Cipressa, puis au pied de la Cipressa, même si c'était mal placé, il y a eu un gros boulot d'Alexandre Rocovi. Et puis après, comme tu l'as expliqué, c'est Del Toro, ce qu'on attendait, hein, qu'il allait être là pour prendre le commandement au niveau de la Cipressa. Et puis après, Valence. Mais oui, Hirschi, il aurait pu être bien plus utile. On a l'impression qu'il n'a pas tant contribué que ça. Il manquait McNulty. Alors, il a été remplacé par Valence et c'était une bonne chose qu'il y ait Valence parce que l'année dernière, il avait fait déjà une très bonne course et il avait été le détonateur. Mais dans le roster, voilà, peut-être qu'on aurait pu. Enfin, il était malade, hein, donc c'est pour ça qu'il a été enlevé, McNulty. Mais c'est dommage parce qu'un coureur comme ça, un Il coureur manquait de peut-être plus. un Mikael Bjerg aussi, Seb. Ouais, alors qu'il était bon, puisqu'il a fait un sacré Tirreno-Adriatico. Je ne sais plus s'il est 15e ou quelque chose comme ça au général, alors que c'était quand même montagneux, le Tirreno, en tout cas pour 2 étapes et surtout une. Donc, oui, un coureur comme lui, comme Bjerg, qui s'est frotté, puisqu'il est bon dans les classiques et les classiques pavés. C'est vrai que. Ouais, il manquait au moins un homme pour Mais est-ce que ce qui n'est pas le plus problématique, Seb, quand on analyse les choses, c'est que ce n'est pas la première fois. J'ai l'impression qu'on répète un petit peu en fait ce qu'on a déjà dit l'an passé. Alors, l'an passé, on pouvait se dire, bon, c'est leur première avec Pogacar, ils ont fait une erreur, mais après tout, ils sont là pour apprendre et on ne gagne certainement pas Milan Sanremo du premier coup. Mais quand tu vois les choses se répéter et le déséquilibre qu'il y a entre le Poggio et la Cipressa chez eux, est-ce que c'est pas ça qui est le plus problématique? C'est le fait que tactiquement, on n'ait pas su apprendre de ses erreurs, qu'on ait fait des erreurs de placement, et peut-être pas tout simplement aussi adapter la bonne composition d'équipe. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas trop fort souvent chez Pogacar, et que du coup, on laisse la tactique de côté, là où j'ai l'impression que chez Jumbo, eh bien, on travaille beaucoup plus cet aspect-là. Moi, quand je vois Pogacar au Stradé, je me dis tactiquement, ce qu'il fait, c'est très très mauvais. Alors, il est 3 jambes au-dessus de tout le monde, donc ça marche. Mais j'ai Ouais. pas souvenir, je sais pas si tu seras d'accord avec ça ou vous sur le chat, de gros coups tactiques de la UAE Team Emirates. Non, parce qu'il y a une philosophie, tu comparais avec la Visma. Mais d'ailleurs, il le critique un petit peu sans le dire officiellement pour la Visma, Van Aert. Mais Van Aert, pourtant, c'est un grand coureur, c'est un grand leader. Mais on joue sur plusieurs cartes.
et on fait le collectif et le surnombre, un peu comme le faisait la Quick Step par le passé, etc. Sur les classiques, ils le font beaucoup. UAE, c'est évidemment un fort collectif, mais pour les courses d'un jour, en tout cas, c'est plus problématique que les courses à étapes, et parce que c'est différent. Mais pour les courses d'un jour, il avait dit, hein, avant le départ, c'est tout pour Pogacar. Bon, on sait bien pourquoi. Mais au final, ils s'y prennent mal, quoi. Ils s'y prennent mal, et y compris pour la composition qui pouvait un peu interroger. Parce que, et puis, comme tu dis, c'est du copier-coller, c'est les mêmes erreurs que l'année dernière. Bon, après, je vais être un petit peu, enfin, pas méchant, mais je dirais que c'est même pire, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, on a moins vu Valence l'année dernière. Il était totalement il avait roulé d'ailleurs beaucoup plus longtemps dans le Poggio. Là, il a fait la même chose, mais il a déjà été un petit peu entamé, encore une fois, avant même le Poggio, puisqu'il s'est retrouvé tout seul avec Pogacar au niveau de la Cipressa, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, où il n'avait pas entamé comme ça déjà un peu ses forces. Alors, il les a peut-être pas entamées grandement, mais quand même, c'était pas opérationnel, c'était pas opportun d'agir comme ça. Et ils ont temporisé derrière parce qu'ils n'avaient plus assez de main-d'œuvre. Et donc, ça a fait revenir du monde, sauf que ça n'a pas fait revenir leurs équipes, parce qu'une fois qu'ils ont fait le boulot, les Del Toro, etc., bah, ils lâchent et ils vont pas revenir. Et puis, s'ils revenaient, de toute façon, enfin, ils seraient morts. Donc, c'est oui. Alors, après, c'est une course particulière, c'est une course où beaucoup se sont cassés les dents. C'est une course où le parcours il est pas évident, Oui, mais parce c'est qu'à pas la non plus. décharge de Pogacar, c'est vrai que bah, le Poggio, on va y venir justement maintenant. Alors certes, il y a eu des erreurs et tu en as noté, tu vas pouvoir nous les expliquer. Mais la principale difficulté ou le principal problème de Pogacar dans le Poggio, c'est que c'est pas assez dur en fait. Quand même. En fait, il y a un autre problème aussi quand même. C'est la présence de Van der Poel. Van der Poel, il a fait perdre beaucoup de monde aujourd'hui. Il s'est fait perdre lui parce qu'après il s'est sacrifié pour Philipsen et on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais en même temps, s'il n'y a pas Van der Poel, la course est peut-être sans doute différente. Et peut-être que quand il part, il n'y a personne qui revient parce que Van der Poel, on le connaît, il est costaud, même si c'était son premier jour de course. Et il a fait perdre beaucoup de monde. Il a fait perdre Pogacar en revenant, mais il en a fait perdre d'autres après dans le final en se sacrifiant. S'il n'y a pas Van der Poel ou s'il n'y a pas Philipsen, parce que Van der Poel après roule pour Philipsen. Ça change totalement la donne et la physionomie de la course. Il y a aussi tous ces ingrédients-là. Au-delà des fautes du AE, il y a aussi quelques adversaires supplémentaires et surtout aujourd'hui Van der Poel. Et ça compte quand même. Moi, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont cette même lecture ou toi et d'autres sur le chat. Mais s'il n'y a pas Van der Poel, pour moi, c'est quand même différent et ce n'est pas la même course et il ne ramène pas tout le monde. Et peut-être que Pogacar pouvait aller au bout. Ça, c'est mon opinion. Après, oui. Oui, puis Seb, pour revenir là, sur la fin du podio, on voit qu'on a, comment dirais-je, Pogacar et Van der Poel devant. Et c'est vrai que tu parles de Van der Poel et de la stratégie Alpecin de Knaan qui a été bonne au final parce qu'ils ont gagné. Mais clairement, un élément aussi à prendre en compte dans l'analyse, c'est que bah, la malchance de Pogacar, c'est qu'il y a Philipsen pas loin. Parce que s'il n'y a pas Philipsen, Oui, je suis Van der d'accord. Poel, il embraye parce qu'il sait qu'il va taper normalement Pogacar au sprint et qu'il n'a aucune raison d'attendre les Pedersen, etc. Là, il se dit la plus grande chance de victoire derrière des sprinteurs, le plus rapide, c'est Philipsen. Donc, je relais pas, quoi. On est d'accord. La présence de Van der Poel donc a compté, et plus que la présence de Van der Poel après, parce que en effet, c'est le fait qu'il y ait Philipsen. Et d'ailleurs, je l'ai écouté l'interview dans l'interview de Van der Poel à l'arrivée. Il dit qu'après, donc quand il a su, parce que évidemment que les oreillettes ça va vite, quand il a su qu'il y avait Philipsen qui était derrière, eh ben ils se sont parlé très rapidement. Il lui a demandé comment était son état au niveau de Philipsen. Philipsen lui a dit qu'il était très bien. Et donc après, bah, dès lors qu'on est passé le sommet, qu'ils sont juste derrière. Et qu'on est dans la descente, on voit il roule pour rattraper, mais il roule pas pour pouvoir continuer l'attaque devant. Et après, il se sacrifie totalement pour Philipsen. Ils se connaissent très bien tous les deux. Et voilà, Van der Poel, il a dit qu'il avait une entière confiance si Philipsen lui disait qu'il était bien. Et donc, il a tout donné après, clairement, pour lui. Et il a annulé pas mal de tentatives. Il fait revenir le petit groupe. Et il permet de faire gagner Philipsen, même si ce n'était pas si évident que ça pour Philipsen, parce qu'il était limite aussi, et il aurait bien pu perdre. Mais bon, au final, le résultat est là pour cette équipe, et 2 années de suite, et avec deux coureurs différents, et avec deux types de courses totalement différents dans le résultat. Alors on va aller sur le sprint, parce que tout le monde de toute façon connaît le nom du vainqueur. Après, Donc on... Pogacar, juste un truc là-dessus, Ouais, vas-y, Pogacar sur Seb. le Poggio,
Et enfin, donc, c'est comme l'année dernière, du copier-coller avec Wellens qui le lance, et à peu près au même moment. Et puis après, il lance, mais après, ça se regroupe, ça s'arrête à un moment donné, là, quand on est à 1 km du sommet. Et Pogacar, il se fait enfermer, il est en 5e-6e position. Et après, il redéborde sur le côté droit, il repart, mais on est à 200 mètres. Et Van der Poel, à ce moment-là, il est mal placé aussi, et il refait un jump, et il réattaque, en fait, enfin, il revient sur Pogacar. À l'endroit où il avait attaqué l'année dernière. Mais là, il le fait pour pouvoir revenir sur Pogacar. Ce qui fait qu'après, bah, ils sont côte à côte, enfin l'un derrière l'autre, pardon. Et donc, on est au sommet. Et après, ça se regroupe. Et puis, ce dont j'avais peur, même si j'étais surpris quand même qu'il y ait Philipsen, on en a parlé, c'était fini, quoi, pour Pogacar et puis pour Van der Poel, entre guillemets. Donc voilà pour le Poggio, la partie finale. Ouais, alors on va aller sur ce sprint. Moi, j'avoue, je sais pas si j'étais le seul ou pas, en vitesse réelle, donc pas en direct, je pense sincèrement, en voyant l'image, que c'est Matthews qui s'impose. Mais finalement, on voit, bon, il n'y a pas 3 roues non plus d'écart, mais on voit que finalement, ça joue pas non plus à la photo finish. Et Matthews, c'est vrai que c'est l'outsider souvent un petit peu parfait, rarement vainqueur, souvent placé. Et bah là, il y a une très très belle victoire, certainement la plus belle de sa carrière, qui lui échappe. Oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui se sont dit ça, je pense, dans le peloton, mais en dehors aussi, dans les suiveurs. Et moi, je me suis dit ça aussi. En effet, on se dit, bah tiens, alors il a un beau palmarès, hein, Matthews, mais il est passé souvent à côté. Il a souvent été dans le top 10, top 4, etc. Même sur le podium, je crois. J'ai plus toutes ses places au niveau de Milan-San Remo, mais il les a collectionnées. Et là, bah, il a jamais été aussi proche de la victoire. Il était super bien placé. Tout allait bien et puis malheureusement, bah, il se fait déborder et c'est vrai que l'écart est pas énorme et qu'on pouvait penser même que Matthews aurait été vainqueur. Mais au final, comme on l'appelle la Blink, bah, il passe encore à côté d'une grande victoire et surtout Milan-San Remo parce que ça fait quelques années qu'il se prépare pour cette course-là, qu'il fait des top 10 et là, il n'a jamais été aussi près. Et bon, malheureusement, ouais, il doit s'en... Enfin, il a fait ce qu'il fallait, hein, donc il n'a peut-être pas forcément grand-chose à se reprocher, puis il manquait de main-d'œuvre aussi, même si Plap l'a bien aidé, etc. C'est dommage aussi, peut-être qu'un coureur comme lui, là, même s'il a fait un gros boulot, il ne soit pas dans le final pour pouvoir l'appuyer. Et puis, bon, après, ouais, par exemple, je crois que Sobrero, l'année dernière, il était chez eux, il est parti maintenant chez Bora, il était fort, c'est dommage qu'il soit parti, parce que ça aurait été un bon coup de main. Alors évidemment, ça, on ne peut pas le... On peut pas le maîtriser, hein. Les coureurs viennent, partent, etc. Mais voilà, il manquait un peu de main-d'œuvre aussi. Et ouais, il passe à côté d'une occasion en or qui va être difficile à retrouver vu son âge, entre guillemets, quand même, parce qu'il commence à avoir un âge assez important pour le vélo, même il nous démontre encore une fois qu'il n'est pas mort et qu'il est encore présent, parce qu'on ne l'avait pas vu à un tel niveau depuis longtemps, même s'il a eu pas mal de problèmes avec le Covid, etc., les années passées, et puis encore dernièrement. Mais c'est Un dommage pour autre lui, c'est sûr. coureur, Sepp, qui a loupé, tu parlais d'occasion en or, vu la forme, j'ai l'impression que c'était un peu la forme de sa vie, j'ai pas trop compris. Alors je pense qu'il avait juste pas les jambes, hein, tout simplement, il y a peut-être pas plus à comprendre, certainement même pas plus à comprendre. Mats Pedersen, quand même, quand tu vois la configuration, que tu vois qu'en plus il a Stuyven, un ancien vainqueur, pour l'accompagner, tu te dis c'est pour lui, au pire il est juste battu par Philipsen, mais il a semblé à cours de jus, je sais pas si tu as eu la même analyse, Seb, dans les derniers mètres. Bah déjà dans le Poggio, quand ils partent là à 4, c'est lui le cinquième et il a laissé un petit trou et il a démontré il était limite. Bon, donc après, ça revient. Et en effet, comme tu l'indiques, la différence qu'il a, alors contrairement à Philipsen, qui avait évidemment Van der Poel aussi, on en a parlé, c'est que lui, il avait la chance d'avoir Stuyven. Et puis son équipe, elle a fait du sacré boulot parce qu'on expliquait tout à l'heure, ils ont roulé, ils ont même sacrifié Milan, etc. Kuhn aussi, qui est très bon depuis le début d'année. Donc oui, il était quand même limite dans le podium, mais on pouvait se dire qu'avec le regroupement, on connaît sa force après une course difficile. Il l'avait démontré également l'année dernière au niveau du championnat du monde. Donc lancé par Stuyven, qui a fait un super boulot, on pouvait se dire que ça, enfin, en temps normal, ça devait aller sur la victoire et ce n'est pas le cas. Et il finit que quatrième, entre guillemets. Donc lui, c'est pareil. Ouais, bah, alors bon, il est un peu plus jeune, mais c'est une occasion de perdu, évidemment, alors qu'il avait son équipier pour pouvoir l'emmener. Et ça ne se représentera peut-être pas l'année prochaine,
d'avoir un équipier qui te lance comme ça sur un plateau, quoi. Oui, tout à fait. Alors derrière lui, Alberto Bettiol, je voulais quand même qu'on touche un mot de Bettiol, très bon à Milan-Turin, un petit peu un revenant. On sait que c'est un vainqueur du Tour des Flandres. Là, moi, je le trouvais quand même très à l'aise dans les ascensions, en tout cas en termes d'impression. Bettiol, Seb, cinquième de Milan-San Remo, est-ce que cette année, il devient un candidat quand même très crédible? Peut-être pas à une victoire, mais à un podium sur une des belles classiques flandriennes du calendrier. Bah, il a déjà gagné le Tour des Flandres, donc son palmarès, il peut parler pour lui, hein. Après, oui, ça fait plaisir de le revoir parce que il fait partie des coureurs que j'appelle un peu irréguliers, qui sont capables du meilleur comme du pire. Et là, c'est vrai qu'on le retrouve à un niveau qui est pas étonnant quand on le connaît par rapport à ses victoires, mais c'est vrai qu'il est tellement irrégulier qu'on l'a depuis, enfin, l'a pas vu depuis aussi longtemps en si bonnes conditions. Et d'ailleurs, c'est même son équipe qui a pris les manches là au niveau, c'était eux les mieux placés au niveau du pied de la Cipressa. C'était les IF qui l'emmenaient et il était bien placé dès le pied. D'ailleurs, ils ont un peu bouchonné pour les autres, mais comme quoi ils avaient une entière confiance en Alberto Bettiol et ils avaient raison. Et il a suivi, il faisait partie des quatre plus forts là à un moment donné dans le Poggio avec Pogacar, avec Van der Poel, avec Ganna et avec lui. Oui, pour la suite, on sait qu'il est réussi bien sur les classiques pavés. Après, sans doute le leader, parce qu'en plus, on attendait davantage de Paulès, mais qui est en difficulté en ce moment dans l'équipe. Il va sans doute prendre les rênes du leadership pour les classiques pavés chez IF Education. Alors, il y a un autre coureur dont je voulais absolument parler, parce que c'est vrai qu'on l'évoque depuis quelques semaines ensemble, Seb, dans les émissions, c'est Maxime Van Gils. Quand même, dans l'ombre des deux lits, des Van Nedvelt, etc., c'est un coureur, j'ai l'impression, qui fait pas de bruit, mais qui est très, très costaud depuis le début de saison, qui bascule avec les meilleurs au sommet du podio et qui va taper un top 10 sur Milan-San Remo, quoi. Ouais, et puis ici, il était troisième au niveau des Stradé. Donc, il est évidemment très bon. L'année dernière, il était bon. Et donc, c'est de bon augure pour la suite. L'année dernière, il avait fait des bonnes places au niveau des Ardennaises. Il avait fait, je ne sais plus, il avait fait, oui, il avait fait huitième de la Flèche, onzième de Liège, septième de l'Amstel. Donc, il ne vient pas de nulle part, mais en effet, il est sous-estimé. Oui, parce que quand il gagne le Tour d'Andalousie, ce Tour d'Andalousie un peu bizarre, Seb, Notamment, on oui. s'en souvient, tout le monde, enfin tout le monde non, mais il y a beaucoup de commentaires qui disent, ouais, c'est un peu une victoire en bois, machin, Van Gils, ça fait marrer un petit peu. Et quelques semaines plus tard, tu l'as très bien dit, tu l'as rappelé à juste titre, troisième d'Estrade, septième à San Remo, je pense qu'il n'y a C'est sa plus plus grand mauvaise monde pour place rigoler, aujourd'hui de quoi. l'année. C'est sa plus mauvaise place aujourd'hui de l'année pour toutes ses courses. Ouais, tiens, on va aller Alors voir qu'il sa fait fiche d'ailleurs. une superbe course. Il finit pour... Donc tu l'as dit, la Ruta del Sol. Bon, certes, c'est particulier, mais il gagne le contre-la-montre Oui, qui puis était j'ai quand même pas oublié, c'est évident. vrai, Seb, tu as raison de le rappeler, troisième de la Drôme, cinquième de la C'est ça. Fonardèche. Sa plus mauvaise place, c'est aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il fait un sacré début de saison. Et encore une fois, l'année dernière, il était loin d'être ridicule. Il avait été très bon sur les Ardennaises en étant dans le top 10. Il avait été bon aussi en fin d'année sur le Tour du Luxembourg, qui est assez punchy. Il avait été bon aussi aux Trois-Vallées Varésines. Au Tour de Lombardie, il finit quand même 14e. À la Japan Cup, il finit 10e. C'est un coureur qui, dans ses courses-là de punch, et encore une fois, on va le voir dans les Ardennaises, j'espère pour lui qu'il va continuer sur sa forme, mais ça sera le leader sur les courses. Alors, il y aura Van Nedvelt, mais Van Nedvelt, malheureusement, il a des problèmes de genoux, si j'ai bien compris en ce moment. Alors, peut-être que ça va pouvoir se remettre, mais bon, les Ardennaises, c'est dans un mois. Et en tout cas, ils ont une belle équipe hein, en dehors de Delhi. Et ils nous démontrent évidemment qu'ils ont une belle équipe pour les Ardennaises, avec Kroon aussi, même si cette année, lui, c'est pas ça, parce qu'il a eu des problèmes aussi. Mais Van Rils, bon, je pense que maintenant, on est plus attentif à ses performances et peut-être qu'il va avoir moins De de liberté, ouais, c'est possibilités de possible aussi. partir devant et de liberté. Mais on ne sait jamais s'il y a des gros cadors et que ça se regarde comme aujourd'hui. Peut-être que encore il peut en profiter et faire un très très gros résultat, voire gagner une grande classique de cette manière-là. Oui, une Amstel qui est un peu moins dure, par exemple. Ça peut très bien et sa chance, ça serait que il puisse continuer à être très bon, pas loin comme ça des meilleurs, voire les suivre. Et après, si ça se regarde, essayer de partir pour pouvoir viser une victoire. Et je ne serais pas étonné si on a cette configuration-là qu'il tape dans le mille pour ce genre de course-là. Alors, il y a un autre coureur dans le top 10, forcément, dans ce groupe de tête,
dont je voulais parler, il n'y a jamais de plus belle réponse que celle du terrain, je trouve. Et j'avoue, mea culpa, parce que j'étais le premier à penser qu'un top 10 de Julien Alaphilippe aujourd'hui, c'était absolument impossible. En plus, Seb, il n'a pas de bol parce que crevaison lente, il est incapable de jouer le sprint. Alors, je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais voilà, si ça se trouve, enfin, il va quand même plus vite que Mohoric ou que Stuyven. Enfin, il va peut-être pas plus vite que Stuyven, mais Stuyven était là pour Il Pedersen. avait bossé, il Bah, avait lancé, ouais. il aurait pu viser un podium ou un top 5, Julien Alaphilippe. Alors, j'ai lu son interview là, Antoine Plouvin, au micro d'Antoine Plouvin. Il n'avait pas l'air trop déçu parce que je pense qu'il revient tellement loin que déjà top 10 à Milan-San Remo, c'est presque une victoire. Mais ouais, je pense que tous les supporters de Julien Alaphilippe bah, sont satisfaits. Tous ceux qui doutaient, comme moi, et encore une fois, mea culpa de son niveau réel en ce moment, font un petit peu profil bas et chapeau à lui, quoi. Je dirais les mêmes termes que toi parce que je m'associe, je dis mea culpa parce que je ne l'aurais jamais vu faire un si bon résultat aujourd'hui. Donc bah, il démontre qu'il est quand même là et que ça reste. Alors, à Milan-San Remo, c'est toujours particulier, mais il fallait quand même être là. Hein. On voit quand même qu'il y a eu un écrémage et que ça roulait vite, etc. Donc oui, le voir là parmi ces coureurs qui sont quand même pas des peintres, et donc c'est quand même oui un très bon résultat. Et encore une fois, moi je ne l'aurais jamais vu dans le top 10 aujourd'hui, tant mieux, il nous a démontré le contraire. Donc après, bon, à voir sur les classiques, il faut lui espérer aussi pour lui qu'il arrête d'avoir un peu ce chat noir et la guigne qu'il peut avoir avec les chutes et avoir la réussite parce que il n'a pas été épargné. Donc on verra. Parce qu'on l'attend à la flèche, là, clairement, on sera peut-être un petit peu dur sur Liège, mais Ouais, mais la flèche, ça me même paraît. si Enfin ça a bon. été durci un petit peu, quand même, c'est vrai que. Ouais, mais après, j'ai l'impression que lui, il veut absolument scorer, alors, ce qui va être difficile, hein, mais pourquoi pas, vu le résultat d'aujourd'hui. Lui, il voulait vraiment avoir un bon résultat sur les pavés et sur le Tour des Flandres. Donc, bon, on a vu quand même, alors on ne va pas se projeter, mais on a vu que Van der Poel, il était quand même bien costaud et que, pour le coup, bon, son résultat, une 10e place. Enfin, il aurait dû être bien plus haut s'il ne s'était pas sacrifié pour son premier jour de course. Oui, parce que Donc. Van der Poel, Seb, c'est vrai qu'il faut le dire, s'il n'y a pas Philipsen, il peut gagner Milan-San Remo. Il va pas moins vite que Matthews ou que Pogacar. Et on l'a vu, Pedersen était un petit peu en dedans. Et puis Donc. il a fait une erreur. Il a fait une erreur aussi de placement. Hein. Parce que quand Pogacar était mal placé, là, quand il attaque, enfin la deuxième attaque à 200 mètres du sommet du Poggio, et là, le Van der Poel aussi, il avait redescendu, il était mal placé et il repart là. Il repart au même endroit que l'année dernière et il revient sur Pogacar, mais c'est pour revenir cette fois-ci, c'est pas pour attaquer. S'il avait été dans sa roue, qu'il était mieux placé, est-ce qu'il n'aurait pas pu refaire comme l'année dernière et enclencher une mine? Je pense que Pogacar l'aurait suivi là et le résultat n'aurait pas changé. Ce qui change vraiment la donne, c'est la présence de Philipsen, que moi, on sait qu'il est très fort, Ouais, Philipsen, puis mais je c'est à pensais pas. saluer, Seb, quand même, parce que on sait, les champions, ils ont tous un ego, et je pense que sans ego, tu peux pas être un grand champion de toute façon. Mais quand même, là, Mathieu Van Der Poel, il est tenant du titre, il est en position de jouer la gagne, parce qu'on l'a dit, Et il a le maillot de Philipsen ou champion du pas, monde. hein. Oui, en plus, il est champion du monde, mais on l'a vu, si on regarde bien son attitude, si vous faites le replay à partir du sommet du Poggio. Il sait qu'il va bosser pour Philipsen et il n'y a pas un moment de doute. Il n'y a pas un moment où il essaye de sortir en facteur. Il n'y a pas un moment où il essaye de la mettre de travers à son équipe. Enfin, clairement, chapeau, parce que là, c'est un dévouement complet alors qu'il pouvait gagner tout simplement la course. C'est lui qui va chercher Mohoric, hein. Avant, c'est lui qui a répondu aux attaques de Pogacar les deux fois. Oui, puis on voit que quand Pidcock passe Pogacar dans la descente, il laisse pas le trou, il y va direct. Enfin, il n'y a pas un moment où tu peux te dire il joue pas le jeu à 100%, quoi. En fait, je pense que ça a été briefé avant, évidemment, et que quoi qu'on en dise, enfin, chacun avait la liberté, mais que par contre, au sommet du Poggio, on allait faire les comptes, et que si, même si Philipsen n'était pas. Dans le groupe en question, s'il était à 5 secondes, comme c'était le cas, etc., jusqu'à 10 secondes, et ben, il devait arrêter ou en tout cas suivre et puis rouler pour pouvoir après faire revenir les attaques comme Mohoric. Et en effet, il n'y aurait pas eu Philipsen, il aurait soit roulé devant, soit sinon il aurait pu tenter un coup à la Mohoric un peu plus tard, et sur le petit replat là où il y a le virage, il aurait pu faire l'un ou l'autre et il aurait été capable de gagner dans les deux conditions. Donc en effet, oui, on peut lui tirer le chapeau quand même parce que
se sacrifier avec le maillot de champion du monde en étant vainqueur de cette course-là. Après, lui, il a expliqué, hein, je l'ai dit tout à l'heure, dans son interview, ils se sont parlé et on sait que des fois, il y a des quiproquos, là, il n'y en a pas eu. Philipsen lui a dit, je me sens très bien. Dès lors qu'il lui a dit ça, bah, il savait qu'il ne bluffait pas. Mais bon, il ne fallait pas qu'il se rate, Philipsen, parce que s'il n'avait pas remporté la course, ça aurait un petit peu bronché, je pense, quand même, dans l'équipe. Mais au final, Oui, puis bah, le résultat est. un dernier élément, Seb, à analyser sur la situation chez Alpecin de Koenig. Je sais que tu as vu comme moi un petit peu l'interview de Philipsen, chez je ne sais plus lequel de nos confrères belges, où il exprimait peut-être pas jusque des envies d'ailleurs, mais en tout cas, il indiquait qu'il allait étudier ses options. Il est très demandé et c'est forcément logique vu son talent, puisqu'il disait était tout à fait entendable. J'arrive dans mes meilleures années, je veux être dans une formation qui va me donner l'opportunité de remporter les plus belles courses. Et est-ce que là aussi, c'est pas super bien joué, entre guillemets, des gros points de marqué pour Alpecin de Koenig, qui sur une configuration Milan-San Remo, monument, malgré Van der Poel tenant du titre, eh bien, lui offre entre guillemets la victoire ou décide lors du briefing que si jamais il bascule à proximité de la tête, la carte numéro un, c'est lui, quoi. Bah, ça peut-être te faire réfléchir en effet, parce que quand tu as un coureur comme Van der Poel qui te fait gagner comme ça, c'est mieux de l'avoir dans ton équipe que de l'avoir dans l'opposition. Donc, et puis encore une fois, rappelons-nous l'année dernière, alors c'était pas dans le même registre, mais sur le Tour de France, sur Tirreno-Adriatico, l'année dernière, comment Van der Poel emmenait Philipsen en étant le meilleur des poissons pilotes possible et encore plus fort que ceux qui sont renommés pour être des poissons pilotes et faire que ça. Si Philipsen a pu gagner sur le Tour sur Tirreno l'année dernière, c'était largement par rapport à Van der Poel qui l'a emmené sur un plateau. Donc là, aujourd'hui, oui, s'il n'y a pas Van der Poel, on ne peut pas savoir, mais le résultat aurait été différent parce que Van der Poel, il a coupé les coups, il a rattrapé Pogacar. S'il n'y a pas Van der Poel, moi, je suis pas sûr que Philipsen y gagne. Donc au final, peut-être que ça va le faire réfléchir, je ne sais pas, Ouais, pour Philipsen. on verra bien ce que ça donne. Après, il y a l'argent aussi, forcément, qui va rentrer en ligne de compte. Il y a un dernier mot que j'aurais touché quand même sur ce Milan-San Remo. Après, tu auras peut-être toi aussi d'autres noms, Seb, à donner. Mais il y a un coureur qui m'a quand même impressionné avant de venir sur des éléments un petit peu différents, l'analyse des points. Et puis, on va regarder aussi les temps d'ascension dans le podium, parce qu'il y a un record qui a été battu. J'aimerais bien parler de Lorenz Pitti, parce que Lorenz Pitti, on le voit arriver quand même depuis quelques temps. Il a gagné sa première course World Tour, maillot jaune à Paris-Nice. On a vu à Kurn, et on en avait parlé, qu'il lui avait manqué un seul mont finalement pour basculer avec les meilleurs et jouer la gagne. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très très bien placé. Alors logiquement, quand Pogacar a mis sa grosse mine, ça a été plus compliqué. Mais il est pas loin, Lorenz Pitti. Et encore une fois, on commence à voir des qualités qui montrent qu'il peut aller claquer peut-être un Milan-San Remo dans 2 ou 3 ans, le jour où il gagnera les quelques watts qui lui permettront de basculer avec les meilleurs. Vu sa vitesse au sprint, ça sera un candidat crédible, je pense, sur pas mal de courses. En tout cas, il nous démontre depuis le début d'année qu'il est quand même costaud dans les bosses. La pointe de vitesse, on l'a vu l'année dernière, mais c'était pas sur les plus grandes courses. Mais enfin, moi, je me doutais qu'il avait une pointe de vitesse. Après, par contre, où il m'a impressionné depuis le début d'année, c'est le fait de tenir dans les bosses. Son résultat d'aujourd'hui, compte tenu de son début de saison, de sa victoire à la Cadel Evans, de ses places là dans des étapes qui étaient compliquées sur le Down Under, plus, comme tu l'as mentionné, on en avait parlé. Kurn-Bruxelles-Kurn, où il est le dernier à sauter sur le dernier mont, et s'il ne saute pas, il reste, et en principe, il finit premier ou deuxième, sans doute peut-être deuxième derrière Van Aert. Voilà, tout ça, c'est. Et on a vu dans la course que la Groupama, elle l'a replacé. Ils ont même roulé à un moment donné, là, quand il y a eu le regroupement Ah avant oui, ils ont le fait du bon pied travail. du Poggio, ils ont replacé avec Kung, et je crois qu'il y avait Watson aussi, et il y avait Paché aussi, qui fait une bonne course aussi. Et donc, oui, voilà. Il a un devenir qui est très grand pour Pitti. Et il saisit la place là qui a été laissée par Demar. Mais je ne vais pas comparer les deux coureurs, mais Pitti nous démontre que il a peut-être des facultés pour les bosses, pour monter un Supérieur à peu Arnaud plus Démare, c'est pas le même supérieur profil. à Arnaud Demar. Et ça, bah, on ne sait pas quelle sera la suite, mais c'est de bon augure. Et bah, enfin, si j'étais, Puis fin de c'est facile à dire, mais si contrat, j'étais à la hein, Groupama,
je le garderai parce qu'il va en claquer des courses et des grandes courses, je Puis on l'a pense. vu avec l'exemple de Lenny Martinez. Alors, officiellement, on ne sait rien du tout parce que de toute façon, personne ne peut rien dire de manière officielle avant le 1er août. Mais on a tous suivi l'épisode Lenny Martinez et son potentiel départ en fin de saison parce qu'il est en fin de contrat. C'est la même chose pour Grégoire, c'est la même chose pour Pitti, c'est la même chose pour toutes les pépites de la Groupama FDJ. Et Lorenz Pitti, clairement, il y a un vrai cas qui va se poser parce qu'il va falloir mettre beaucoup d'argent. Et plus les semaines passent, plus je pense qu'il va falloir mettre de l'argent. Parce que si on l'avait prolongé en janvier avant la Cadel, je pense que ça aurait été plus facile. Mais tu gagnes au World Tour, tu as un maillot jaune à Paris-Nice. Tu montres que potentiellement, tu n'es pas trop loin du top 10 sur un Milan San Remo. Ça va être un Il vrai peut faire mieux casse-tête pour encore. Marc Madiot, quoi. Et en plus, moi je l'ai vu sur Paris-Nice, des fois, même s'il y en a qui ont fait du bon boulot, hein, et on va pas. Et puis aujourd'hui, ils en ont fait du boulot, ils l'ont placé, donc voilà. Mais il y a des moments quand même sur Paris-Nice où il Oui, il était n'a un pas peu Danny Van isolé. Poppel pour l'emmener, quoi, c'est ce que tu veux Ben dire. oui, c'est ça. Danny Van Poppel, s'il a un coureur comme ça donne quand même des garanties supplémentaires pour pouvoir encore faire de meilleurs résultats. Donc s'il a un train sans être avec 4-5 coureurs comme certains grands sprinteurs qui ont besoin de ça encore aujourd'hui. Il arrive à, il se place très bien. Il a pour son jeune âge, il a un sens et une bonne science du placement. Donc, si en plus il était appuyé par quelques coureurs pour le placer plus facilement et faire moins d'efforts, parce que le sprint, on sait comment que c'est. C'est que des fois, tu peux être bien placé. Si tu as été entamé parce que tu t'es dû te placer avant, etc., tu le payes. Tu ne peux pas faire 3-4 sprints avant la dernière ligne droite. Et des fois, ça arrive. Forcément, c'est un problème de placement. Donc, si il pouvait être mieux suivi, avoir quelques équipiers, bah, je pense qu'en principe, ses résultats devraient être encore supérieurs. Donc, après, bah, oui, par contre, ça, c'est l'autre problème qui va avec. C'est que bah, va falloir aligner Oui. Oui, parce les pistes, que là, entre on ne peut pas guillemets. blâmer Marc Madiot. La seule chose qui risque de lui manquer à Marc Madiot, c'est l'argent, tout simplement. Si L'argent, UAE oui. arrive en lui proposant 1,5 million, est-ce que tu peux mettre, et puis est-ce que tu as envie de mettre 1,5 million sur Lorenz Pitti? Alors, je dis un chiffre au hasard, hein, j'ai zéro info. N'allez surtout pas penser que Ah bah je dis après, tu ça sais, on en parce a que déjà j'ai. parlé pour Martinez. Ils vont sortir les mêmes arguments qu'on avait évoqués l'autre fois avec Greg, quand on avait longuement parlé de Martinez. C'est que, alors bon, l'argent, je ne pense pas qu'ils pourront s'aligner malheureusement. Par contre, ils vont dire, mais nous, tu es sûr d'avoir la carte de leader maintenant. On va essayer de peut-être d'améliorer l'équipe. Ça, j'en sais rien s'ils vont pouvoir et s'ils auront l'argent pour pouvoir améliorer parce qu'ils n'ont pas pu le faire cette année. Et puis, bah, ils vont proposer un plan de carrière, donc au-delà des garanties. Sur plusieurs années, etc. Donc voilà, ils vont miser là-dessus automatiquement au niveau de la Groupama pour essayer de concurrencer. Mais bon, si on raisonne que sur l'argent, après, à voir si c'est toujours le problème du staff qui entoure le coureur, enfin son Oui, et puis en plus, ah, Lorenz tu vois. Pitti, contrairement à Lenny Martinez, alors après, la nationalité ne compte pas pour tout le monde, mais Lenny Martinez, on peut se dire, il est français, il est peut-être attaché à l'idée d'être dans une structure française, mais Lorenz Pitti, il est néo-zélandais, donc clairement, enfin, je veux dire, il va pas être déraciné s'il va chez UAE ou s'il va chez Jumbo ou Parce que Ineos, quoi. On n'est pas dans le cas de figure du gars qui parle pas lui, non, il peut anglais. s'adapter. Il peut s'adapter, Et je s'il a pense qu'il n'y a montré aucun qu'il problème. pouvait aller à l'autre bout du monde, parce que quand même la Nouvelle-Zélande n'en fait pas plus loin, pour courir, c'est qu'il a des capacités aussi d'adaptation à la vie un petit peu loin de chez lui. Donc, Non, non, mais il n'a pas cet c'est. attachement, il n'a pas été formé depuis qu'il a 14 ans par la Groupama FDJ. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, quoi. Bah, c'est pour ça que c'est aussi des. Enfin, moi, pour moi, c'est des clés encore supplémentaires, enfin, qui sont intéressantes et qui font que ce coureur-là, faudrait pas le lâcher et il faudrait le conserver. Alors, c'est facile à dire. Mais ouais, perdre un tel coureur en devenir, bon, c'est des pépites comme ça. Enfin, ils en ont plusieurs, mais celle-ci, Mais ça le montre sprint. encore une fois, Seb, pour finir là-dessus, vraiment, je sais pas comment le définir, mais le coup magique, entre guillemets, qu'ils ont réalisé en signant Pitti, Grégoire, Martinez, pour ne citer que l'année Oui, on où ils s'en font doute. venir Enfin, leur sans doute mec un dans petit la peu. Conti, quoi. Enfin, c'est. Enfin, bon, après, il fallait le prévoir, mais bon, en même temps, on savait à peu près, enfin, même en étant extérieur du milieu, quand on suit les résultats, tout ça, et puis quand on regarde les courses, même si l'année dernière, il n'avait pas fait une saison si folle que ça, Pitti, bon, c'est pas non plus forcément une surprise. Après, et moi, je dis toujours, il y en a un autre que j'aurais pensé même plus fort et qui me déçoit par contre, c'est Thompson, Watson. Watson. Parce que lui, en principe, il était comme Pitti, il avait une bonne pointe de vitesse, un super placement, etc. Et
Il n'arrive pas à faire sa place et il est souvent cantonné, comme aujourd'hui encore. Et forcément, quand tu as un pitié avec les résultats qu'il a fait, bah, tu rétrogrades dans l'équipe et tu es plus équipier. Donc il y a aussi ça, donc, quand tu as une petite brèche dans une équipe, il faut aussi en profiter parce qu'après, c'est mort, sinon tu n'as plus ta place et tu passes de Oui, parce que, peut-être futur leader à équipier, quoi. comme tu le dis, Seb, il y a, disons, allez, 4 ans ou 3 ans, quand ils sont tous un petit peu, j'ai jamais trop les dates en tête parce que ça passe tellement vite que parfois j'oublie, mais clairement, tu as cité les noms. Quand tu as les uns à côté des autres, Penouette, Pitti, Haski et Watson, bien malin celui qui pourra dire, bah là, à l'heure d'aujourd'hui, lequel de ces quatre-là aura la meilleure carrière ou aura le meilleur potentiel. Donc, enfin. L'année dernière, avant le départ, là, enfin avant qu'il y ait tout, on savait que Grégoire, il allait être bon en principe, Oui, parce Martinez que Grégoire, aussi, on l'a mais vu chez les juniors, il était largement au-dessus de la voilà. concurrence avec Agones, mais Martinez, c'était pas si évident que ça. Lorenz Pitti, chez les juniors, il était bon, mais c'était pas non plus le mec incontournable à signer. Donc il y a des choix qui sont faits à un moment sur le recrutement et qui ont été judicieux, faut le dire. Avant de passer pro, on aurait plus misé, par exemple, comme j'expliquais, sur Watson plutôt que Pitti, parce qu'il avait gagné Gambegel Game, etc., dans les rangs Oui, inférieurs. puis pour parler de son compatriote, Ruben Thompson, pour l'instant, c'est Mais c'est pas pareil, oui. une réussite, mais clairement, si je me gourre pas, il gagne le Val d'Aoste, il fait des saisons Alors lui, c'est bien plus trois un très fortes, grimpeur, oui. mais il déçoit alors qu'il y avait un potentiel qui paraissait quand même très très intéressant. Oui, lui Après, c'est pas aussi, c'est une fini, hein, il question. est encore jeune, bien entendu. Non, il est encore jeune, mais il avait montré des choses intéressantes aussi sur le Tour des Alpes à un moment donné, je crois. C'est plutôt un profil grimpeur, et c'est vrai que lui, on en attendait davantage. Mais c'est comme tu dis, c'est difficile de prévoir en disant un tel va être supérieur, et des fois, tu as des surprises aussi, parce que oui, pour Pitti, on Oui. l'aurait peut-être vu plutôt derrière Watson, et c'est l'inverse. Oui, puis pareil, je rappelle souvent ça, chez les juniors au début, Primožič, le Slovène, il est meilleur que Pogačar. Qui se rappelle aujourd'hui de C'est vrai. Jaka Primožič? Pas grand monde au final. Donc l'évolution, l'adaptation, le travail, enfin, il y a plein d'éléments qui font que ça marche pour certains et pas pour d'autres. Bref, on va aller rapidement sur les Oui. points, Seb. Alors, je ne vais pas parler des points en tant que tel, mais il y a juste un élément qui m'a marqué en fait, c'est que sur le premier monument de la saison, bah, la hiérarchie a les respecter. Alors, on ne va pas parler de la Visma qui est 14e, il y a des circonstances, Laporte, on ne sait pas ce qui s'est passé, Van Aert n'était pas là, etc., etc. Mais voilà, je trouve qu'il y a, à part Astana qui est 13e et qui réussit sa course, il n'y a pas de surprise. Arkea 19e, DSM 22e, Cofidis 23e, quoi. Oui, et puis Alors ça fait pas encore tout, mais Astana. ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas réussi leur course, enfin, vu le total de points, quoi. Astana, pour une fois, ils avaient une équipe qui pouvait être intéressante et je pensais qu'ils feraient. Alors, je ne pensais pas qu'ils allaient gagner, hein, mais je pensais qu'ils feraient même un peu mieux. Alors, ils font un tiers groupé, 22e, 25e et puis 36e. Par contre, dans l'équipe, c'est la mauvaise surprise, mais ce n'est pas forcément non plus une surprise. C'est Lutsenko qui finit à des années-lumière. Mais par contre, les trois Italiens, on les attendait peut-être même un peu plus haut. Bon, donc, mais bon, ils gagnent quand même des points. Donc pour eux, je sais pas comment. Peut-être qu'on attendait un peu plus. Mais après, oui, il n'y a pas forcément de surprise, si ce n'est en effet Laporte. Mais il devait y avoir quelque chose ou un problème de santé, etc., pour qu'il lâche dès Oui, les ouais, je premiers. ressens, ouais. Parce que capot mêlé, bon, Voilà, parce Laporte, qu'il normalement. n'était pas clairement à son niveau. Après, Mais ouais, bah chacun est ouais. un peu à sa place. J'ai l'impression que c'est un Ouais, peu Van Rils, pour représentatif, moi, entre guillemets. on en parlait, mais vu ses résultats dernièrement, ce n'est pas une surprise qu'il soit dans le top 10. Après, on attendait plus peut-être chez DSM, mais de Vermaak, qui a fait un bon début de saison, et qui là, je n'ai pas vu son classement, mais il est très loin pour DSM. Sinon, il n'y a pas tellement grand monde à se mettre sous la dent dans cette Tiens, chez équipe-là, Cofidis, malheureusement. Seb, on en parle depuis quelques temps, parce que pour être tout à fait honnête, il y a les fans, bah, dont Cofidis hein, qui est sur le chat, mais d'autres aussi, bah, depuis quelques semaines, commencent Oui. à faire part de leur inquiétude. Alors moi, je suis toujours sur la ligne où bah, il y a quand même une belle marge et il ne faut pas trop s'inquiéter, parce que, pas bah, encore une fois, Cofidis a quasiment 3000 points d'avance, et puis le concurrent au cas où, c'est Arkea, enfin les concurrents, c'est Arkea et DSM, mais on voit que c'est pas avec 30 points de plus qui vont venir les inquiéter. Mais
Toi, Seb, est-ce que si ça poursuit sur cette lancée, parce que la saison Cofidis est très très mauvaise, hein, faut quand Oui. même le dire, depuis le début de l'année, enfin depuis la fin de la tournée australienne en tout cas, est-ce que pour toi ça peut continuer et est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Cofidis, même pas que sur le point, les points, mais sur la dynamique d'ensemble et l'état de la saison 2024? Là, pour l'instant, enfin, je vais employer le terme que c'est quand même catastrophique. Alors après, il y a les autres années par rapport aux points. Donc, mais pour cette année, enfin, moi, je trouve qu'il y a le feu quand même. On voit les résultats. Et puis même les courses, des fois, ils ont plein de DNF. Alors, ils ont plein de blessures, ils ont plein de problèmes. Mais ça explique aussi. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est Axel Zinglé aujourd'hui qui est le meilleur, 41e, c'est ça? Alors après, il était Ah oui, bon, mais il a 15 eu points, des... ça doit être loin, hein, je pense. Il est tombé, il tombe souvent ces derniers temps. Depuis le début d'année, il commence déjà au Grand Prix de la Marseillaise où il tombe. Et encore, on pensait qu'il allait revenir beaucoup plus tard. Il est revenu quand même assez vite. Mais Oldani, par exemple, on ne l'attend pas Alors lui, c'est 98e, pareil. Il est mais... tombé, lui aussi. Il est tombé. Il est très bon. Mais lui aussi, il a eu une fracture je sais plus si c'est du scaphoïde ou je sais plus quoi. Mais il avait une fracture. Et donc, il est revenu assez vite, lui aussi. Hein. Mais non, les frères Izaguirre, c'est Sont loin. décevants, Guillaume Martin est pas à son Alors, niveau Guillaume Martin, il a eu le pour Covid, donc ça l'a freiné. Et puis on l'a revu. Il faut qu'il remette un peu en route la machine. Et bon, en principe, il devait être meilleur que ça au classement général. Je crois qu'il finit 23e de Tirreno. Mais il est en reprise. Donc, bon, voilà. Et puis, bah, il est très régulier. Mais s'il y a un petit. Errada, on l'a pas vu aussi, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a quand même Non, il un. y a eu des problèmes, lui aussi. Ils ont eu tous des problèmes. Et il n'y en a pratiquement pas un qui n'a pas échappé au problème. Alexis Renard aussi, on attend beaucoup de lui dans les classiques. Voilà, et je sais que dans l'équipe, les supporters forcément critiquent beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a eu le message de Oui, parce qu'ils Cédric sont Vasseur. inquiets. En fait, moi, ce que j'entends de ce qu'on me dit en privé, en tout cas, c'est surtout de Et même. l'inquiétude par rapport Des au. anciens coureurs qui étaient dans l'équipe qui sont partis, qui font un très bon début de saison, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui avec Alexandre Delettre, Oui, par exemple. qui est parti chez Saint-Michel et qui fait un super début de saison, alors qu'avant, l'année dernière, il était encore dans l'équipe. Donc je sais que des fois, ça parle là-dessus aussi. Donc après, j'espère ils ont clairement plus qu'un moment délicat, là. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir en sortir à un moment donné Oui, parce et que qu'on le répète chaque fois, souvent, c'est un mauvais Seb, résultat. il y a une question de confiance. Le problème, c'est que Ah quand tu es oui? dans cette spirale, si tu ne gagnes pas vite, eh ben, tu commences à cogiter, parce que forcément, bah, il y a des articles de presse. Puis nous, les premiers, après, bah, c'est notre boulot, faut bien qu'on en parle. On ne peut pas non plus dire que c'est génial si ça ne l'est pas. Mais voilà, tu as des émissions où tu dis que c'est pas bien, tu as des journalistes qui écrivent des articles pour dire que c'est compliqué, tu as des demandes d'interview aux coureurs bah, quand ils les voient pourquoi ça ne marche pas, etc. Et du coup, tu commences à cogiter. Et plus ça traîne, bah plus t'as ce doute qui est dans ta tête et plus c'est compliqué finalement, quoi. Eh bien oui, c'est la mauvaise spirale. Et plus tu veux t'en sortir, plus si le résultat il est pas là, Puis tu plus tu fais peut-être des t'enfonces. mauvais choix aussi parce que du coup t'as la pression et que. Oui, t'as la pression, donc voilà. Et en plus, je veux dire, bon, on pourrait se dire les prochaines courses, ils sont plutôt en leur faveur parce qu'on va être dans la période de Yonis Aguirre qui fait toujours des bonnes performances au Grand Prix Miguel Indurain au mois d'avril autour du Pays Basque. Mais Mais son pari si, Nice n'est quand même pas très rassurant. ouais, mais si malheureusement. Il ne s'améliorerait pas sur ces courses-là, alors là, ça serait la catastrophe industrielle, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, parce que s'il ne performe pas sur les courses auxquelles d'habitude il performe, là, ça va être. Ouais, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, quoi. Donc, et puis, bah, sur les pavés, bon, ils ont quelques bons coureurs quand même, mais ça va être difficile. Ils ont Allégarthe, ils ont quelques bons coureurs, peut-être qu'ils peuvent faire des résultats avec Agnew Kolski sur des courses comme La Panne, mais il y a quand même de la concurrence sur toutes ces courses-là. Donc, c'est bon, il y a Brian Cocquart qui fait des places, mais bah, Oui, parce que voilà. l'effectif est bon sur le papier, c'est vrai que c'est pas une question de qualité. Même les équipiers, ils ont des problèmes, c'est ça. Il y a Christophe, je sais plus, je crois que c'est Christophe Knop qui s'est fait opérer. Alors, non, c'est Ludovic Robit qui s'est fait opérer dernièrement, alors qu'il est censé être là pour les classiques. Non, c'est pas bon et en plus ils sont pas épargnés par tous les problèmes. Donc ça fait beaucoup et ça fait trop. Donc j'espère pour eux qu'ils vont sortir de cette spirale et que mais plus ça dure évidemment et plus c'est difficile et plus ça va être du négatif sur du négatif. Donc il faut vraiment qu'il y ait un bon résultat. Et même si ce n'est pas une victoire, il faut qu'il y ait des places, il faut qu'il y ait des points, parce que même des fois sur des courses, tu les vois, tu n'en as qu'un ou deux qui vont à l'arrivée, il y a beaucoup d'abandons.
Donc, ne serait-ce que ça, ce sont des, enfin, c'est un indicateur que ça va pas, quoi. Oui, puis il faut voir comment ça se passe en interne. Moi, de ce que j'entends, il y a beaucoup de pression qui est mise. Alors, j'ai trouvé le discours de Cédric Vasseur très très bon, en tout cas publiquement. Mais voilà, il faut voir aussi, pas forcément Cédric, mais peut-être d'autres directeurs sportifs, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un peu beaucoup de pression qui est mise et que ça aide pas, que ça a un caractère bloquant. On sait que les coureurs ont aussi besoin de confiance. Après, on n'est pas une petite souris qui écoute les briefings, mais voilà, on a l'oreille qui se tend forcément à droite ou à gauche et peut-être qu'il y a, ouais, il y a Après, un petit peu trop de pression. bon, est-ce qu'ils vont pas essayer d'engranger des points sur des calendriers Secondaire, ouais. de zones? Ouais, comme Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir on toutes ne va les. pas avoir le temps d'en parler parce que je vois que l'heure tourne et il est quasiment 19h et il ne faut pas trop que je dépasse 19h. Mais ouais, c'est peut-être là la clé. Et puis d'ailleurs, Malavita a raison de Paris dire, je Camembert, la suis. route à Delhi, toutes Ouais, les c'est courses au ça, mois ouais. d'avril. Bah, Cholet demain, par exemple, le circuit de la Sarthe. Enfin, c'est plus le circuit de la Sarthe maintenant, mais toutes ces épreuves-là, du Tour du Limousin plus tard, bien entendu, etc. Mais voilà, ça peut être complexe. On sait qu'il y a des épreuves françaises qui vont sauter en plus à cause des Jeux Olympiques. Peut-être que l'enchaînement Doubs-Jura aussi, Classique Grand Besançon, ça peut aider. On sait que la dernière, les résultats avaient été bons. Mais ouais, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, chez les femmes, c'est vrai que c'est à saluer. Ça se passe mieux. Ou peut-être, bah, je le vois dans les résultats d'aujourd'hui, là, pour parler rapidement de la classique Loire-Atlantique, où voilà, faire émerger des coureurs, alors certains que l'on connaît qui ont pu gagner, mais un autre qui, par contre, n'est pas mauvais depuis le début d'année, leur laisser un peu plus aussi des libertés, comme Axel Mario, c'est peut-être ça les solutions, et d'aller sur ces courses-là, même si, Ouais, puis encore un une des fois, tu vois, je problèmes parlais pour de. finir sur Cofidis, Seb, j'y pense tout à coup, et puis c'est vrai qu'on me l'a déjà rappelé, c'est l'ami Badneos qui est supporter d'Arkea. Il disait que peut-être l'avantage d'Arkea et de DSM par rapport à Cofidis, c'est qu'il y a une réserve. Là, on voit qu'il y a beaucoup de blessés, et malheureusement, il y a pas mal de Scoumouns, hein, c'est vrai qu'il faut être honnête et le dire pour Cofidis depuis le début de saison, mais on a aussi pas d'équipe de développement avec entre 10 et 16 coureurs qui permettent de faire souffler les coureurs qui sont beaucoup sollicités. Parce que forcément, si vous avez un tiers de l'effectif qui est sur la touche, s'il n'y a pas de dévot, ça veut dire qu'il n'y a personne pour les remplacer. Là où dans d'autres structures, si tu peux faire monter deux mecs par course, un mec sur une autre, etc., etc. Parce que je le rappelle, on ne peut pas mettre de coureurs de dévot sur des courses World Tour, mais en Pro Series et en Classe 1, ce qui est quand même le cœur du calendrier, on peut le faire. Et du coup, peut-être qu'on sursollicite les coureurs chez Cofidis par manque d'autres choix possibles, et que du coup, eh bien, ça fatigue, et qu'on va peut-être manquer de jus dans les moments clés aussi, qu'il y aura une grande fatigue qui peut s'installer. Ben, si tu as un effectif qui a des problèmes de santé, des gens à l'infirmerie, je pense qu'en effet, c'est là où ça compte d'avoir une réserve. Et peut-être Donc, qu'on va bon. changer si on a les moyens financièrement, parce que tout le monde en parle, c'est vrai que ça coûte quand même de l'argent. Mais peut-être que chez Cédric Vasseur, la réflexion, elle va changer par rapport à l'équipe de développement. Ils ont bien une équipe féminine, ils ont Il bien. Et tant mieux, hein, y a une ils ont équipe aussi une équipe handisport aussi, il y a là, un, ce je qui est crois très qu'on bien. travaille avec Aix un petit peu aussi, mais. Voilà. Donc, ils le font, là, l'équipe handisport, c'est pas quand même très souvent, malheureusement. Oui, c'est tout à Donc, leur honneur. voilà, c'est tout à leur honneur. Donc maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est celle-ci, c'est d'avoir une équipe de dévots. Après, bon, ils ont pas de bol, mais il y a d'autres équipes en concurrence qui n'ont pas de bol en ce moment, Oui. avec DSM qui Oui, a puis il y a des aussi pas coureurs qui mal sont de. pas au niveau. Je pense que les coureurs eux-mêmes seraient les premiers à le dire. Des Rada, des Aguirre, ils sont pas là où on Non, ils les sont pas attend, au niveau. clairement. Enfin. Alors, ils sont parfois irréguliers, mais ils sont capables de gagner, nous l'ont montré l'année dernière, ou de faire quelques bons résultats. Et là, ils gravitent dans des classements où ils sont trop loin par rapport à leur potentiel et leur niveau. Ouais. Donc, voilà. Alors, on va finir cette émission. Seb, je l'avais dit, on le fait pas souvent, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des réflexes où on essaye d'apporter un petit peu plus de contenu. Et on va pas parler de trucs, d'analyse, de temps d'ascension ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'angle que je veux aborder. Mais je trouvais ça intéressant, bah, de voir ces temps d'ascension sur le podium, parce qu'on a quand même eu l'impression tous les deux que c'est monté vite. Et bah, ça se traduit finalement quand on va sur Strava, c'est un petit peu, je vais vous mettre le lien d'ailleurs si vous le voulez, c'est un petit peu la Mecque. Alors on n'a pas d'action chez Strava, c'est juste que bah, tout le monde est sur Strava en fait, donc c'est ça qu'on regarde. J'ai mal fait mon copier-coller, donc je vais le refaire. Bref, ouais, Seb, le record précédent l'an dernier, c'était
Bah 5,42 pour Ganna et Pogacar. Ils sont exactement dans le même temps aujourd'hui. Alors il y en a peut-être d'autres parce que tout le monde n'a pas mis ses temps d'ascension. Mais 5,37 pour Ganna, ça doit jouer au centième, j'imagine. 5,37 pour Pogacar. On a battu les records d'ascension sur le podium. Oui. Après, par contre, on voit pas le temps de Van Der Poel, qui était quand même pourtant bien placé. C'est surprenant. Mais oui, ils battent leur corps. Et puis Ganna, on n'en a pas parlé, mais le pauvre, il était bien là. La preuve, avec un super temps, alors qu'on avait des doutes quand même, parce que l'année dernière, il avait fait une bonne course, mais on ne le voyait pas devant. Il était devant. Et puis malheureusement, il a eu son problème. Je crois que c'était avec la chaîne. Mais oui, c'est monté très vite, hein, et le record est battu. Par contre, la Cipressa, je crois que c'est quoi le temps 9,25, non? Je ne Ouais, sais je crois que plus. il me semble, mais après c'est pareil, il y a des mecs qui font des trucs sur Twitter, mais c'est leur chrono à eux, donc des fois on ne sait pas trop, mais je pense pas que ça a été battu, parce qu'on l'a vu en visuel, c'est vrai En que 96, je crois, le record à là ils l'époque, se sont c'était arrêtés un Colombo qui petit avait fait. peu un moment, donc ça serait compliqué à penser que. Ouais, et puis il y a eu quand même, il y a eu la. Alors ça s'est monté vite, il y a Wellens, tout ça qui a bien forcé, et puis après Pogacar, mais il y a eu un petit regroupement là, après son attaque à 500 mètres, où après il est mal placé, et donc il repasse un petit peu de temps, et après il se relance aux 200 mètres. Donc ça veut dire qu'il y avait moyen encore d'aller plus vite aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce temps de latence, qui n'a pas duré longtemps, hein, mais qui a duré peut-être quelques secondes. Donc 5,37, ça peut peut-être dire qu'ils auraient pu être à 5,32 ou à 5,30, quoi. Donc, ce qui est quand même, oui, ça fait combien? Du 39,5 km/h, c'est ça? Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, Et on voit le temps de c'est quand Lorenz même Pittick. après 200, on est à combien? À Bah, 200, 260 km, ouais, un du coup. truc comme ça. Ouais. Donc, et puis ça avait quand même bien roulé à la Cipressa, même si après. Donc, oui. Alors, il n'y avait pas beaucoup de vent cette année. Enfin, c'est toujours pareil. Les paramètres, c'est qu'il faut avoir toutes les données qui vont avec. Oui, Mais. on n'a pas. C'est pour ça qu'on n'analyse pas autre chose que les temps d'ascension, enfin que les données brutes, hein, parce qu'on ne va pas partir sur des débats sans connaître tous les éléments. Ça n'a pas trop de sens. C'est juste que ouais, c'est monté vite. Et je voulais reparler de Lorenz Pitti, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je voulais pas trop l'évoquer avant qu'on analyse ces données-là. C'est intéressant, Seb, on voit qu'il bascule à 17 secondes des meilleurs. Alors après, il y a des questions de placement. Si forcément vous étiez 2 secondes derrière Pogacar au pied, si vous mettez 2 secondes de plus, c'est pas forcément que vous êtes allé moins vite. Ça dépend si vous l'avez rattrapé. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je me suis perdu un peu dans mon truc, mais vous voyez, je pense, tous l'idée. Ça dépend du placement aussi au pied par rapport aux autres. Et Lorenz Pitti, 5,54 à 17 secondes en gros de Pogacar qui était en tête du groupe au moment d'aborder l'ascension. C'est là où ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même encourageant. C'est la première fois qu'il est dans une configuration pour jouer une belle place sur Milan-San Remo. Il y a peut-être eu des erreurs tactiques forcément, peut-être qu'il est monté trop vite à un moment. Bref, il y a toujours un apprentissage et de l'expérience à prendre. Mais malgré ça, il n'est pas si loin. On voit que c'est pas grand-chose finalement qui lui manque, Lorenz Pitti. Oui, bah ça c'est une preuve supplémentaire. Et encore une fois, il nous l'avait démontré sur le Down Under, où moi je l'avais trouvé très impressionnant sur certaines côtes où il était pas loin des meilleurs là, qui étaient devant, dont Del Toro, etc. Sur des parcours qui n'étaient pas évidents. Donc je sais plus quelle étape, mais il a un sacré punch. Hein. Il a un sacré punch et ça, on l'a découvert. On le découvre cette année. La pointe de vitesse, on la découvre pas forcément. Par contre, le punch depuis le début d'année, ce punch-là est bien présent. Ouais, donc ça sera à suivre. Mais il est 18h58, je suis désolé, j'aurais voulu qu'on parle de la classique Loire Atlantique, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Milan-San Remo, beaucoup d'éléments à analyser, donc on va rester là-dessus. Juste dire que c'est Pierre. Non, c'est Pierre Gautrac qui a gagné, je dis pas une bêtise. Non, c'est Lapeyrat. Lapeyrat, pardon, oui, Paul Lapeyrat, pardon. À Paul Lapeyrat, c'est. Gautrain, il est out malheureusement et Ouais, c'est ça c'est qui vrai. peut Ouais. avoir Donc c'est Paul Lapeyrat qui remporte la classique Loire-Atlantique. On vous donne le résultat. De toute façon, les résultats sont sur Véloclub ou sur le site des copains de First Cycling. Donc n'hésitez pas à acheter un œil. En attendant, on va pouvoir clôturer l'émission. Demain, je ne serai pas là parce que demain, je vais au Tour de Normandie. Je ne me rappelle plus à quelle heure c'est l'arrivée. Et forcément, j'aurai un petit peu de boulot en rentrant. Donc, il n'y aura pas d'émission demain. Mais on fera un débrief un petit peu lundi. Parce que lundi, il y a le Tour de Catalogne. Donc, on a une course World Tour. Et vous le savez, quand il y a du World Tour, on essaye d'être en direct un petit peu tous les soirs. Donc, on va pouvoir clôturer là-dessus. Merci Seb, merci à tous. Et puis à lundi soir, 18h normalement. Merci, à bientôt, au revoir.